C'est l'histoire d'une princesse belge qui épouse un archiduc d'Autriche et qui devient impératrice du Mexique. Oui, ça s'est vraiment passé, et c'est ce que cette série raconte. Bonjour et bienvenue dans cette review qui sera consacrée donc au premier tome de la série Charlotte Impératrice, La Princesse et l'Archiduc, scénarisée par Fabien Nury, dessinée par Mathieu Bonhomme, publiée chez Dargaud. L'album raconte les premières années du couple de Charlotte de Belgique et de Maximilien d'Autriche jusqu'au jour où ce dernier accepte le titre d'empereur du Mexique. Nouveau format pour les reviews, désormais l'émission sera en deux parties, une première partie dans laquelle j'explique ce que j'ai aimé, une deuxième partie dans laquelle j'explique ce que j'ai moins aimé, et on va commencer immédiatement avec ce que j'ai aimé dans ce premier tome de Charlotte Impératrice. Globalement, j'ai beaucoup apprécié l'album. Et une des raisons, c'est que je suis belge et je suis passionné d'histoire. Et donc forcément, quand on m'annonce un album qui va raconter l'histoire vraie de la princesse de Belgique qui devient impératrice du Mexique, ça attire mon attention. Premier point positif de cet album, c'est son scénariste, Fabien Nury. J'aime beaucoup les albums de Fabien Nury, c'est de la bande dessinée adulte, violente, mais jamais gratuite. Et ici, la violence est plus psychologique et elle traduit l'idée de l'album qui est de raconter un conte de fées qui va virer au cauchemar. En épousant Maximilien, Charlotte fait normalement une bonne affaire, parce qu'elle est ainsi liée à une des plus grandes familles royales d'Europe. Le problème, c'est que cette famille n'a aucune considération pour elle, elle est juste là pour assurer la descendance. Et ensuite, pour le dire poliment, son mari, c'est pas une flèche. Autre point positif de l'album, c'est son dessinateur, Mathieu Bonhomme, adulé depuis L'homme qui tua Lucky Luke, a raison. Ça faisait longtemps que Nury et Bonhomme voulaient travailler ensemble, ils cherchaient le bon projet, là ils l'ont trouvé. Et c'est aussi une qualité que je trouve aux albums de Nury, c'est que l'action est toujours très lisible et très claire. Le découpage est fait de telle manière à ce que ça ne gêne jamais l'action. Et en plus, avec les traits arrondis de Bonhomme, il y a une alchimie qui se crée sur les planches qui est vraiment assez intéressante. De plus, il y a un travail assez intéressant sur la symbolique des couleurs dans certaines scènes. Alors, j'ai pas trouvé de problème majeur à l'album. Il y a quelques anachronismes, forcément, parce que Fabien Nury dit bien qu'il a pris certaines libertés. Il y a des personnages qui n'existaient pas qu'il a rajoutés, et des personnages existants qu'il a probablement enlevés. Mais il y a un anachronisme qui m'a fait sourire. C'est au début de l'album, donc il y a la scène de séduction entre Maximilien et Charlotte dans les serres royales de Laeken. C'est une très belle scène d'ailleurs. Mais le problème, c'est que Maximilien et Charlotte se sont mariés en 1853, donc la scène a lieu avant 1853, et les serres de Laeken ont été construites dans les années 1870 pour Léopold II, le frère de Charlotte. Donc c'est pas possible que nos deux tourtereaux royaux se soient tournés autour dans les magnifiques jardins sous verre. C'est un détail, ça ne ruine pas du tout le plaisir de la lecture, mais quand on est belge et qu'on connaît les serres de Laeken, ça fait un peu sourire. Après, c'est un premier album, il est plutôt prometteur, mais ce qu'il faudra juger, c'est l'ensemble de l'œuvre une fois celle-ci finie. Cette review est à présent terminée, j'espère que le nouveau format vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos différents réseaux sociaux et à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. On a une page Facebook et un compte Twitter et nous sommes impatients de vous lire. On se retrouve prochainement pour l'épisode 4 de La Bulle qui est en cours de production et qui devrait arriver incessamment sous peu, du moins je l'espère. D'ici là, bonne lecture et à bientôt!